Hey, salut tout le monde, c'est King Lizard, on se retrouve sur littlealchemy.com. Alors, un site internet, qu'est-ce que c'est que ce site? C'est vraiment bizarre, vous allez voir en fait, allez sur ce site, vous allez vraiment, je pense, vous amuser, ou passer un petit moment là-dessus, ça peut toujours être sympa. Alors en fait, le concept est très simple, vous allez devoir mélanger des éléments, vous commencez avec l'air, l'eau, le feu et la terre. Le jeu est en anglais, hein, mais tu peux le mettre en français. Tu cliques là-dessus, et t'as les settings, tu peux le mettre en français. Alors, admettons que tu prends de l'air, et puis t'essaies de le mélanger avec quelque chose. Par exemple, de l'air et de la terre, ça fait quoi? Bah, ça fait de la poussière. On va recommencer avec de l'air. Alors, de l'air et de l'eau, qu'est-ce que ça peut bien faire? De la pluie. Ah, de la pluie, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec de la pluie et de la terre? Ah, ça fait des plantes. Tu vois, et tu mélanges comme ça. Alors là, on est à 7 éléments sur 560. C'est hyper long. Alors pour faire, mettons, du bois, il va me falloir faire pousser la plante. Donc, du temps. Mais le temps, comment je fais du temps? Alors si t'es bloqué et que tu sais pas comment faire, eh ben tu vas là-dedans. Alors, par exemple, pour faire du bois, ça c'est les hints, hein. Pour faire du bois, eh ben, tu cliques sur bois. Il te faudrait des outils et des arbres. Bon, alors ce qui m'intéresse, c'est les arbres. Il me faudrait du temps et des plantes, d'accord? Donc, comment on fait du temps? Il faudrait du sable et du verre. Donc, du sable plus du feu, ça fait du verre. D'accord, mais comment on fait du verre? Donc, c'est bon. Du sand, comment on fait du sable? De l'air et de la pierre. Ah, comment on fait de la pierre? Tu vois? Il faudrait de l'air et de la lave. Ah, est-ce qu'on a de la lave? Non. Mais on a du feu. Bon, il va me falloir de la pierre. Comment on fait de la pierre? De l'air et du feu. Comment on fait de la lave? De la terre et du feu. D'accord. Donc si j'ai du feu et que j'ai de la terre, je peux faire de la lave. Ok. Si j'ai de la lave... C'est un truc de fou. Et de l'air, donc, pour rafraîchir la lave... On va faire de la pierre, d'accord. Donc j'ai de la pierre et du vent et de l'air, ça me fait du sable. Si j'ai du sable et du feu, ça me fait du verre. Ok, maintenant j'ai du verre. Alors, j'en étais où tout à l'heure? Alors, ouais, il me faut du verre et du sable pour faire du temps. Me demandez pas pourquoi, je trouve pas pourquoi cette combinaison est juste. Mais peu importe, allez, du sable et du verre, ça me fait du temps. Donc j'ai le sablier également. Le temps sur une plante, ça fait un arbre. Super. Donc maintenant j'ai un arbre. Il va me falloir des outils. Pour faire des outils, il va me falloir du métal et des hommes. Ok. Pour faire du métal, il va falloir de la pierre et du feu. Jusque là, tout va bien. Pour faire des hommes, il va falloir de la vie. Ah, je sais plus comment on fait les hommes. Ah, là, je suis embêté, là. Des outils, voilà. Les hommes, de la terre et de la vie. Mais pour faire de la vie, il faut marécage et énergie, ou du temps et de l'amour. Mais pour avoir l'amour, il faut avoir deux fois humain. Donc, de l'énergie, c'est... Comment on fait de l'énergie? C'est relativement simple à faire de l'énergie. C'est pas du feu sur du feu sur de l'air. Voilà, du feu sur de l'air. Donc on a de l'énergie. Pour avoir swamp, il faut avoir mud. Donc pour avoir mud, c'est dust et plante. Donc ok, dust. Pour faire de la poussière, il me faut de la terre et du vent. J'en ai ici. De la poussière et de l'eau, ça va me faire mud, normalement. Non. Comment on fait déjà mud? Non, c'est là mud. Mud, c'est water et earth, et pas dust. Ok, donc earth, je prends earth et water, d'accord, ça me fait de la boue. De la boue plus des plantes, ça va me faire un marais. Ok, donc là je suis arrivé au marais. Et pour faire de la vie, il me faut de l'énergie dans le marais. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc de l'énergie, E égale MC2, ici, dans le marais, ça me fait de la vie.
Super. Alors, j'en étais où? De la vie. Maintenant, il faut que je fasse des humains. Comment je fais? Alors, tu peux essayer différentes combinaisons, voilà. Hein, par exemple, de la vie dans les airs, c'est les oiseaux. Bon, pour l'instant, on s'en sert pas trop, mais on verra plus tard. De la vie. Le temps, ça peut être utile. Qu'est-ce que je vais rajouter? La vie. La pluie, avec le temps, ça finit par faire des inondations. Je vais remettre le temps, il est toujours utile. D'ailleurs, je vais en mettre quelques-uns. Parce que c'est toujours utile d'avoir le temps. Le temps et l'énergie. Je sais pas si ça fait quelque chose, mais je vais tester. Non, là, ça fait rien. Bon, l'énergie, c'est toujours très utile à avoir aussi, donc je vais en mettre. L'énergie et l'air. Ah bah voilà, c'est vrai que l'énergie de l'air, c'est le vent. Le vent et l'eau, ça pourrait me faire... Non, ça le fait pas. Ça aurait pu. Une tempête. Est-ce que j'ai la pluie? Voilà. Le vent et la pluie, non, ça fait rien. C'est dommage. Pour faire... Le feu et la pluie. Non, c'est pas le feu, c'est l'énergie et la pluie. Non plus. Merde, comment on fait une tempête? Je sais plus. Ouais, ce jeu est bien. Bon, la vie, on peut la mettre partout. On va reprendre un peu de vie. La vie dans la terre, qu'est-ce que ça fait? Des humains. Ah bah ça y est. Me demandez pas pourquoi, mais bon, c'est bon, admettons. Avec les humains, c'est pareil, on peut faire plein de trucs. Alors si tu prends les humains et le métal, ça va faire tes outils. Les outils avec les arbres, ça va faire du bois. Le bois et les humains, ça va faire une maison. Ça y est, on a réussi à faire notre maison. Après, tu peux faire des humains en métal. Des humains en métal, ça va faire... Alors, comment on fait déjà les humains en métal? Les robots. Il faut du métal et des outils. Ah, une armure. Un chevalier. Il y a plein de combinaisons sympas. J'avais jamais encore trouvé tout ça. Un chevalier sous la pluie, ça craint. Non, ça marche pas. Un chevalier qui prend vie. Bon, ça reste un chevalier. Un chevalier qui coule sous inondation. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait essayer comme combinaison? Bon, le bois, c'est bien, bien utile aussi. Je vais en rajouter quelques-uns. Le bois et la lave, ça ne fait rien. Mais le bois et le feu, ça pourrait faire du charbon de bois. Alors, on a obtenu du charbon de bois, de la fumée et un feu de camp. Un feu de camp et une maison, ça va faire un âtre. Une cheminée. La fumée avec du vent. Est-ce que ça fait quelque chose? Non. Par contre, avec de la pluie, ça va faire des pluies acides. Me demandez pas à quoi ça sert, pour l'instant j'en sais rien. Avec du charbon de bois, alors là c'est un truc que j'ai pas compris, parce que je pensais qu'en mélangeant du charbon de bois et du métal, on pouvait faire de l'acier. Sauf que là ça marche pas. Alors je sais pas comment on fait de l'acier. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer encore? La terre et le bois, non, je vois pas qu'est-ce que ça pourrait faire. La vie au métal, voilà, c'est comme ça qu'on fait les robots. Et si je mets d'ailleurs la vie sur le bois, ça va me faire Pinocchio. Ok. Et bon, là je suis un peu bloqué, j'ai pas trop d'idées. J'ai beaucoup d'éléments secondaires, mais j'ai pas beaucoup d'éléments primaires. Je vais essayer de retrouver un peu quelques éléments primaires. Par exemple, beaucoup d'air. De l'eau, ça peut être utile aussi. Du feu. Alors, par exemple, de l'eau et du feu. Ça fait de la vapeur. Tiens, on ne l'avait pas, celui-là. De l'eau et de l'air, ça fait de la pluie, on l'a déjà. De l'eau et de la vie, ça fait du plancton. Tiens, c'est utile. Je vais reprendre un peu d'eau. De l'eau sur un âtre? Non, je vois pas l'intérêt.
de l'eau et de l'énergie, ça fait encore de la vapeur. Qu'est-ce qu'on pourrait mélanger? De l'eau et du charbon? Non, ça ne fait rien. De l'eau et du temps? Non, ça aurait pu, mais non. De l'eau et de l'air, ça fait de la pluie? Non, même pas. Bon, ça fait rien. De l'eau. Et un humain? Non, ça aurait peut-être fait un humain qui nage, j'en sais rien. Faut tester des trucs. Hein. Une maison sous l'eau? Non, ça ne marche pas. Une inondation avec maison? Ça ne marche pas non plus. De l'eau et du métal, ça fait de la rouille. Non? De la pluie sur... Non, ça va être de l'oxygène, parce qu'il faut oxyder. Donc de l'air sur du métal. Voilà, ça fait de la rouille. Des poissons, des oiseaux... Comment je fais les poissons? Il me faudrait la vie dans l'eau. La vie dans l'eau. Ah non, ça marche pas. La vie dans la mer. Pour avoir la mer, il me faut de l'eau et encore de l'eau. Ça me paraît logique. Donc, de l'eau, plein d'eau. Voilà, ça fait la mer. Si je mets la vie dans la mer, ça fait du plancton. Merde, il faudrait des poissons. Plancton plus plancton, ça ne fait plancton. La vie plancton, non. Le temps plancton, peut-être, non. Qu'est-ce qui pourrait marcher? Bon, là, je suis un peu bloqué encore une fois. Je vais remettre un peu de feu, un peu d'eau. Alors, qu'est-ce qui pourrait être sympa? Bon, on est à combien? À 39. Tout à l'heure, je suis allé à plus de 50. Hein. Là, je suis un peu bloqué, hein, je t'avoue. Bon, alors, quand t'es bloqué, tu vas sur cet autre site ici, hein, sur les... Enfin, c'est Sheets, ouais, si tu veux. C'est les Hints. Et tu peux chercher un truc. Par exemple, pour faire un livre, il faut du papier et du bois. Du bois, on en a, mais on n'a pas de papier. Pour faire du papier, il faut du bois et de la pression. On n'a pas de pression. Pour faire de la pression, il faut de la terre et de la terre. Ne me demandez pas pourquoi, j'imagine que plus de terre sur de la terre, ça fait de la pression. Si je rajoute de la pression à du bois, ça va me faire du papier. Ok. Donc, j'en étais où? Pour faire du... Voilà. Du papier et du bois, ou alors du papier et une histoire. Ça peut être intéressant à choper l'histoire. Donc, je vais remélanger le papier avec le bois. Ça me fait un livre. Ok, on a débloqué le livre. J'aimerais bien débloquer l'histoire. Pour faire une histoire, il faut des humains et un feu de camp. Ouais, c'est vrai qu'on raconte souvent des histoires autour du feu de camp. On va rajouter un humain sur le feu de camp. Ça me fait une histoire. Super. Je suis sûr qu'on peut faire plein de trucs avec une histoire. Tiens, un pull. De la laine et des outils, d'accord? Comment on fait de la laine? Il faut un mouton et des outils. Pour faire un mouton, il faut du bétail et des nuages. Ok, pour faire des nuages, je suis sûr que je les ai pas, les nuages. Il va me falloir de la vapeur et de l'eau. Non. Pourtant, de la vapeur d'eau, c'est... Hein? De la pluie, vapeur? Non, ça doit être de l'air, peut-être. Air et vapeur, voilà, nuage. Je ne sais même plus ce que je voulais faire maintenant. Ok, je l'ai le nuage. Le nuage et le livestock maintenant. Donc pour faire le livestock, il me faut le fermier et la vie. Sauf que le fermier, je ne l'ai pas. Il me faut un champ et les humains. Pour faire un champ, il me faut de la terre et des outils. Bon. De la terre, j'en ai. Et des outils, j'en ai. Alors, de la terre et des outils. Ça me fait un champ. Un champ et des humains. C'était bien les humains. Hein. Voilà, ça me fait un fermier. J'ai mon fermier. Comment je fais maintenant? Ok, fermier et vie. La vie, je sais pas si... Ouais, je l'ai. Voilà. Le fermier et la vie, ça fait du bétail. Ok, jusque-là, on est bon. Et pour faire donc bétail et nuage... Pour... Me demandez pas pourquoi bétail et nuage, ça fait sheep. Encore une fois, là, je comprends pas. Bétail et nuage, ça fait sheep et sheep, enfin mouton. Mouton et outils, du coup. Et on arrive sur la laine, super. Bon. Et du coup, on voulait faire quoi à la base? Le sweater. Ok, avec des outils, encore une fois, on va pouvoir faire le pull. Ok.
Où est-ce qu'on en est? À nouveau Winds, allez. Une rivière, une montagne et de l'eau, d'accord? Pour faire une montagne, il faut un tremblement de terre et de la terre, d'accord? J'ai de la terre, mais j'ai pas le tremblement de terre. De l'énergie avec de la terre, ça ira. Ok, donc on va prendre de l'énergie. Avec de la terre. Ça me fait un tremblement de terre. Ok, merde, je disais quoi? Earthquake et Earth. Tremblement de terre et terre. Montagne. Ok. Et c'était montagne plus, plus eau, ça fait rivière. Ouais, c'est logique. Alors de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Voilà, une rivière. Je pense qu'avec une montagne et de l'air, il y a peut-être moyen de faire des collines, peut-être. Ou de la pluie, ça risque de... Je vais chercher montagne, on va voir un peu si ça fait quelque chose sur la pluie. Bah non, ça fait... Oui, évidemment, ça fait rivière. Je suis con, je viens de le faire. Montagne et air, non, ça ne fait rien. Ok. Rivière... Ah, mais peut-être qu'avec le bois et les outils, je peux faire des trucs sympas. Alors, le bois... Le bois... Voilà, et les outils, ça doit faire la roue, non? Voilà, la roue. La roue et le vent, ça devrait faire le windmill. Le windmill. Le vent. Voilà, le moulin à vent. J'ai maintenant le moulin à vent avec une rivière, ça devrait... Eh non, ça le fait pas. J'aurais imaginé que ça me fasse le moulin à eau, mais non. Qu'est-ce qui serait... marrant encore à faire. Tiens, j'ai deux planctons, ça sert à rien. Il y a plein de combinaisons, c'est ouf. Allez, on va fabriquer un autre truc. Alors, tiens, c'est intéressant, un milkshake. Pour faire du lait, il va falloir du bétail. Bon. Un fermier plus une vache, d'accord? De l'herbe plus du bétail, d'accord? Mais pour faire de l'herbe, il me faut des plantes et de la terre. Okay. De la terre plus des plantes. J'obtiens de l'herbe. De l'herbe plus du bétail. Ça me fait des vaches. Des vaches et des fermiers. Ça me fait du lait. Super. Ok, on a le lait. Et maintenant, je voudrais faire... Attends, du lait et de la pression, on peut faire du beurre. Pression. PSI. Voilà. J'ai du beurre. Je vais aller rechercher le lait. Voilà. Maintenant, il faut que je fasse ice cream. Pour faire ice cream, il faut du lait et du froid. D'accord? Mais pour faire du froid... Pour faire du froid, il faudrait des humains et de la pluie. C'est vrai qu'on a souvent froid sous la pluie. Alors, des humains et de la pluie. Donc on a du froid. Du froid et des maladies d'ailleurs. On verra plus tard pour les maladies. Du froid et de l'eau. Attends, est-ce que ça fait quelque chose avec la mer? Faudrait que je teste. Avec de l'eau, ça me fait de la glace. Ok. De la glace et du lait, ça me fait de la crème glacée. De la crème glacée plus du lait. Il y a tellement d'objets maintenant. Du lait. Ça fait le milkshake. Ok. Bon, on a réussi à le faire alors. Newspaper. Paper plus paper. Ok. Papier. Papier. Où es-tu? Je n'ai pas fait le papier. Ok. Alors, le papier, ça va être... de la pression plus du bois. Ouais, ça me semble logique. Alors, le bois et de la pression. Ah non, c'est pas comme ça. Le bois et les outils.
Bon, il y a forcément un truc à faire avec bois et outils. Ben non, même pas. Oulala. Comment on fait? Comment on fait le papier? Bah ouais, je viens de le faire, bois et pression, ça n'a pas marché. Oulala, attends, je vais... Hop. Peut-être qu'il y avait trop d'objets, je sais pas. Ah bah tiens, le papier est là. Mais je suis con alors. Papier plus papier. Ouais, je l'avais pas vu. C'est pour ça que j'arrivais pas à le faire, je l'avais déjà. Ok, de l'argile avec du sable et de la boue. Ça doit être jouable. Alors, du sable et de la boue. Je sais même pas si je l'ai fait, le sable. Mais normalement, oui. Voilà. Et la boue, c'est de la terre avec de l'eau. J'ai une marée, donc j'ai forcément la boue. Voilà, le boue. Le boue. J'ai de l'argile. Super. Avec de l'argile, on va pouvoir faire des briques. Donc, de l'argile et du feu. Ça fait des briques, et des briques, et des briques. Ça fait plein de briques. Alors ça... Briques. Ça fait un mur de briques. Avec plein de murs de briques, il y a peut-être moyen qu'on fait une maison. Mais on l'a déjà. Qu'est-ce qu'on pourrait encore faire? Des outils, c'est vachement utile. Tiens, il y a la poterie aussi. La poterie et les humains, je suis sûr qu'il y a un truc à faire. Ça va faire... je sais pas, peut-être. Non, ça fait rien. C'est dommage. La poterie... est-ce que j'ai fait du verre? Oui, je l'ai fait. La poterie... Avec quoi je pourrais modifier... Avec quoi je pourrais faire... une bonne combinaison, là. Poterie et de l'eau. Non. Je sais pas, je suis un peu bloqué avec poterie. Après, il y a plein de trucs. Hein. J'ai pas fait cyborg. J'ai pas fait amour. Tiens, on va faire amour. Humain plus humain égale amour. Sauf que humain plus... Non, c'est vie métal. Vie et métal. On va le trouver. Non, c'est pas vie et métal. C'est métal humain. Non. Comment on fait les robots? Bah, je l'ai déjà le robot. C'est pour ça que ça marche pas. Le robot. Voilà. Et le robot et l'humain, ça fait le cyborg. Qu'est-ce que... J'ai encore outil métal. Non, y a rien à faire. Faut tenter des trucs, hein, quand tu sais pas trop. Vie rivière, non, ça m'a pas fait poisson, c'est dommage. Si je mets des humains dans des pulls, c'est bon. Non, je vois pas ce que ça pourrait faire. Du papier et une histoire. Je vais quand même mettre livre de côté. Ça peut ne rien faire parce que... Bah voilà, ça fait livre. Ok, on va prendre quelque chose d'autre. Flying squirrel. Écureuil volant. Il faudrait un écureuil et un oiseau. L'oiseau, on l'a déjà, mais l'écureuil, on l'a pas. Il faudrait une souris et un arbre, d'accord? L'arbre, on l'a. Il faut du temps sur une plante. Normalement, l'arbre, on l'a. Voilà, il est là. Mais il faudrait une souris. Et la souris, il faudrait du fromage et un animal sauvage. Mais sauf que le fromage, pour en faire, il faut du lait et du temps. Ok, donc du lait. Du lait. Et du temps, je sais même pas si je l'ai débloqué, du coup avec le temps. Au fil du temps. Voilà, du lait et du temps, ça fait du fromage
C'est pas du fromage et un arbre. Je vois pas quelle, quelle est le, cette drôle de combinaison. Alors, du fromage et Wild Animal. Mais Wild Animal, je l'ai pas non plus. Il faudrait une forêt et la vie. Le truc, c'est que j'ai qu'un arbre. Il me faudrait la forêt. Donc, plusieurs arbres, ça fait une forêt. Voilà. La forêt et la vie, ça fait animal sauvage. Animal sauvage et fromage, ça fait la souris. Ok. Et la souris et l'arbre, on arrive à Squirrel. Écureuil. Voilà. Et écureuil volant, alors il faudrait un oiseau. Un oiseau, je l'ai fait normalement. Je vais faire ça. Oiseau, oiseau écureuil, écureuil volant. Voilà. Youyouyouyou. C'est des dingues les écureuils volants en fait. Les mecs ils sautent des arbres et tout, c'est des ouf. Du miel avec des abeilles et des fleurs. C'est cool parce que les fleurs je l'ai pas et les abeilles non plus. Le jardin et les plantes. Plantes et plantes, c'est vrai que ça fait des jardins. Plantes et plantes, jardin. Ok. Jardin et plantes, pourquoi pas. Donc, jardin. Et plantes. Voilà, on a la fleur. Pour faire maintenant une abeille, il faut un animal sauvage et des fleurs. Pour faire des fleurs, il faut des plantes et des jardins. Donc, je l'ai déjà. Je me perds un peu. Donc, animal sauvage et fleurs. Ah, on a le papillon aussi. Et abeille et jardin. Non, abeille et fleurs. On a du miel, super. Le miel, ça va être vachement utile pour faire des, pour faire à manger ça. Je suis sûr qu'il y a plein de trucs à faire avec du miel. Alors, les papillons aussi, je suis sûr qu'il y a plein de trucs à faire. Papillon jardin, non. C'est de la torture, hein. La pluie sur les papillons. Moi, je sais pas, faut tester. Hein. Fire truck car et fireman, d'accord, mais fireman c'est humain et feu. Ça c'est facile. Alors humain, on l'a déjà. Le feu. Je vais faire comme ça maintenant. Voilà, on a le pompier. Et du coup, on va faire la voiture. Il faut wheel et métal, d'accord. Alors, on a la roue et le métal. Est-ce que j'ai la roue? Non. Alors, la roue, voilà. Et le métal, ici. La roue et le métal, ça fait la voiture, deux pompiers. Et voilà, super, on a le camion pompier. Allez, encore une nouvelle. Ah, lightsaber, de la lumière et une épée, d'accord, mais j'ai ni l'un ni l'autre. Ah, de l'électricité, j'aimerais bien avoir ça. Métal et énergie. Super. Métal et énergie, 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 énergie. Bim, me up, Scotty. Bim, on a l'énergie. L'énergie. Avec du soleil, panneau solaire. Il y a trop de trucs. Alors, c'était quoi la lumière? Énergie et sword. Alors, sword. Blade et métal, d'accord. Ah, mais style, je voulais le faire depuis longtemps. Il faut du charbon. Il faut de la pression et des plantes. Ouais, de la pression et des plantes, ça paraît logique aussi. Mais on n'y pense pas forcément, tu vois. Donc les plantes, plantes. Je me paume. Alors, les plantes et de la pression. Voilà. Ça fait du charbon. Du charbon et du métal, ça fait de l'acier. De l'acier. Alors voilà, ça c'est bon. Alors pour faire maintenant blade, il faut acier ou métal et stone. De la pierre, pierre. Où est pierre? Me dis pas que j'ai pas pierre. Si, j'ai pierre. Pierre, acier. Non, c'est pas acier. Ah zut, c'était métal. 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 Voilà, j'ai la lame. Et pour faire
L'épée, il faut la lame et le métal, ou la lame et l'acier. La lame et l'acier, ça fait l'épée. L'épée et l'électricité, ça fait le sabre laser. Fairy Tale. Une histoire et un monarque, ou un château, ou un chevalier. Je dois voir le chevalier. Ou le dragon, il y a plein de trucs à faire là. Alors là, que chevalier. Chevalier de la table ronde. Chevalier. Voilà. Histoire. Conte de fées. Il y a plein de trucs qui m'intéressent. Alors le monarque, comment on fait ? L'humain, château. Excalibur et humain. Un Excalibur, c'est facile à faire. Il faut de la pierre et une épée. Alors, pierre et épée. Excalibur plus humain. Ça fait un monarque. Ça fait Arthur, roi de Bretagne. On a le château aussi, ça va être un truc à base de maison et chevalier. Tiens, je croyais que c'était à base de pierre, mais non. Alors, maison et chevalier. Maison et chevalier. On a le château. Il n'y a plus de combinaison à faire, là. Ok, un nouveau truc à faire. Un piranha. Un fish. Ouais, un poisson, comment on fait ? Hard O. C'est quoi, ça ? Les œufs et de l'eau. Pour faire des œufs, me demandez pas pourquoi, il faut de la pierre et puis de la vie. Je crois que c'est ça. Pierre et vie, ça fait un œuf. De l'eau et des œufs, ça fait hard o. Je sais pas ce que ça veut dire hard o. De l'eau, ici. Ah, œufs de poisson. D'accord. Et du coup, pour faire le poisson, il faut des œufs de poisson et du temps. Et le temps. Avec le temps, va, tout s'en va. On a les poissons, super. Et là, on n'a plus le temps, parce que la vidéo est déjà bien assez longue. On est à plus de 30 minutes. C'était un bon petit site internet. On est pratiquement à 100. Et tu sais quoi, on va aller à 100. Alors, du poisson. Faire des piranhas, il faudrait du sang. Il faut des humains et des lames. Super, on a tout ce qu'il faut. Alors, les humains. Human. Et blade, lame. Voilà. On a le sang et les poissons. Ça fait les piranhas. On a les 100 éléments. Et cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur littlealchemy.com. On se voit très bientôt. Salut tout le monde !